C'est donc le plan média que vous propose notre agence. La SBSA pense qu'il est essentiel de donner une image de marque sophistiquée aux produits. C'est pourquoi il sera essentiel de couvrir tous les médias. Mais passons de la stratégie aux idées de création. Je vais donc céder la parole à Bettina Raschke. Je vous en prie. Merci. Comme mon collaborateur Michel Berger vient de vous l'exposer, nous sommes d'avis que le produit nécessite une mise en valeur exceptionnelle et donc des moyens exceptionnels comme le montre cette première maquette. Quant à ce second visuel, il exprime très concrètement l'objectif de notre campagne nationale. Nous avons donc pensé à des PLV très originales puisque le produit se vendra en pharmacie. Effectivement, Madame Raschke, c'est très original, trop peut-être. J'aimerais savoir s'il s'agit d'une plaisanterie. On pourrait savoir à quoi rime tout cela ? Venez, c'est ridicule. Nous n'avons plus rien à faire ici. Cela m'aura toutefois convaincu que vous n'êtes pas l'agence qu'il nous faut. C'est inadmissible que vous nous fassiez perdre notre temps. Je voudrais parler immédiatement à M. Zontag. Notre directeur est en déplacement. Je suis absolument confus. Je ne comprends pas. Nous allons tout de suite retrouver le véritable matériel de présentation. Oh, je te dis la peine. Je n'avais jamais vu un tel manque de professionnalisme. Soyez sûr que nous n'en resterons pas là. Je vous en prie, messieurs, ne partez pas. Il doit y avoir une explication à tout cela. Je suis sûr que ça peut s'arranger. Nous vous retirons aussi le budget de nos autres produits. J'ai horreur qu'on se moque. Attendez, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Dis donc, Dieu, c'est comme ça que tu as vérifié les cartons de présentation? Tu n'es même pas fichu de faire ce qu'on te demande. Alors j'aimerais bien une explication. Je peux t'assurer que je les ai vérifiés. J'ai fait ça hier soir, tout était en ordre et j'ai laissé la mallette ici. Quelqu'un y aura certainement touché. Ah oui. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas fait la vérification ce matin? Parce que je l'avais déjà fait hier soir. Ça suffit. Tu n'as aucune excuse. De toute façon, on a perdu l'annonceur. Je me demande pourquoi on te garde. Tu es vraiment incompétente. Je vois très bien qu'il nous a fait cette mauvaise plaisanterie. Lui et son compte est bon. Non, ne vous inquiétez pas, Monsieur Gart, il n'est pas méchant. Oh, je n'ai pas peur. Allez, Umba, va se coucher. Oui. C'est sans valeur légale. Pour qu'il y ait licenciement sans préavis, il faut que les motifs soient évoqués. Et que vous reproche-t-on exactement, Monsieur Gart? Eh bien, il paraîtrait que j'aurais saboté une présentation de prospection. La veille de cette présentation, justement, quelqu'un a changé les maquettes. L'agence s'est couverte de ridicule et a perdu son annonceur. Oui. Et évidemment, c'est vous qu'on accuse. Je ne suis pour rien dans tout ça. Seulement... on a retrouvé les documents originaux dans une armoire de mon bureau. Ce qui fait de moi le coupable de tout désigner. Si vous aviez vu la tête qu'il faisait lorsque je suis arrivé à l'agence hier matin, on aurait dit que j'étais le diable en personne. Ils m'ont fusillé du regard. Et comment ces documents ont-ils atterri dans votre armoire? C'est un coup monté. On les a mis dans mon armoire exprès. Et je peux vous dire qui. Bettina Raschke. Cette espèce de garce. C'est une de vos collègues pourtant. Une collègue? Elle est directrice de création, c'est elle qui a préparé cette présentation. Attendez, là je ne comprends pas. Vous voulez dire qu'elle aurait saboté son propre travail? Non, ça ne tient pas debout. Pas du tout, on était en concurrence avec 3 autres agences pour cette prospection et ça allait nous passer sous le nez. Bettina Raschke n'avait pas de concept intéressant pour le produit. Son projet était le plus banal et elle n'avait absolument aucune chance et elle le savait. J'avoue que je n'y connais rien dans le milieu de la publicité, mais comment êtes-vous sûr que son projet ne valait rien? Je suis sûr de ce que j'avance, vous pouvez me faire confiance. D'autant plus que cette fois-ci, je n'ai pas pu lui prêter ma forte. Parce que j'étais en arrêt maladie, et sans moi, Bettina Raschke ne vaut rien. Elle savait qu'elle perdrait, alors elle a eu recours à cette mise en scène. Vous avez la preuve de ce que vous avancez? Non, bien sûr que non. En tout cas, les documents retrouvés dans votre armoire ne constituent pas non plus une preuve de votre culpabilité dans cette histoire. Je vais écrire à votre agence. Leur écrire? Vous savez ce que Zontag fera de votre lettre? Elle ira directement au panier. Il est tellement ravi de pouvoir se débarrasser de moi. Peut-être pourriez-vous essayer d'obtenir un arrangement. Il n'y a pas d'arrangement qui tienne. Je veux retrouver ma place. J'ai contribué à l'essor de cette agence. Je veux que cette idiote de Raschke soit mise devant ses responsabilités. Je veux que vous alliez parler à Zontag et que vous lui disiez que je suis au courant de sa ragouille. Umba, tais-toi. Ce n'est pas comme cela qu'on procède. Surtout si maintenant vous me dites que votre patron magouille. Non, je crois que le mieux serait que vous vous adressiez à un détective privé. Si vous voulez, je peux vous en recommander un.
excusez-moi. Monsieur Matula? Monsieur Gartz, je suppose. Bonjour. Entrez. Je vous en prie. Vous voulez de la pizza? Non, merci, mais faites comme chez vous, hein, vous pouvez la manger. Oh, finalement, j'ai pas très faim. Maître Franck vous a dit de quoi il s'agissait? Je vous en prie, asseyez-vous. Oui. Mais j'aimerais avoir quelques précisions. Quel avantage aurait Madame Rashke à ce que vous quittiez l'agence? Elle récupérerait votre poste? Non, en fait, elle a déjà un poste supérieur au mien. Directrice de création. Ah ouais? Il faut dire que dans la pub, on est tous directeurs de quelque chose. Directeur de création, directeur artistique, directeur média. Et vous êtes directeur de quoi? Je suis rédacteur senior. Je trouve ça débile de se faire appeler directeur. En tout cas, ça ne l'est pas pour Madame Rashke. Elle était folle de joie lorsqu'elle a été nommée CD. CD? Les initiales de Creative Director en anglais, c'est plus cool. Cognac? Non, merci, je dois conduire tout à l'heure. Je regrette, mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi Rashke voudrait se débarrasser de vous? Parce que je sais qu'elle est nulle. Parce que je sais aussi qu'elle est cédée uniquement parce qu'elle couche avec Zantime. Zantime, c'est le patron de l'agence? Oui, c'est lui. Et c'est Madame Rashke qui a retrouvé les documents dans votre armoire? Non, c'est Antje. Qui ça? Antje Lehner, c'est ma directrice artistique. Elle a retrouvé les cartons en fouillant mon armoire par hasard. Elle peut fouiller comme ça dans vos affaires? Oui, on travaille ensemble, on forme une équipe. Moi, je fais les textes et elle, la mise en forme. Cette armoire est fermée, d'habitude? Non, tout le monde y a accès. J'aimerais bien m'entretenir avec votre directrice artistique. Vous pouvez m'arranger ça? Ah, il vaudrait mieux pas que je me pointe à votre agence, vous comprenez? Oui, bien sûr. Elle aura des tas de choses à vous dire sur Bettina. Et votre patron? Vous avez dit à Maître Franck que votre patron était bien content de pouvoir se débarrasser de vous. Jusqu'à présent, il m'a toujours soutenu, même lorsque j'avais la panne de l'écrivain. Mais depuis qu'il couche lorsque avec... Lorsque vous aviez quoi? La panne de l'écrivain, la page blanche. J'ai eu des problèmes, divorce, enfin vous voyez ce que c'est, la vie quoi. Depuis qu'il est avec elle, il a vraiment changé. Vous avez dit aussi à Maître Franck que votre patron magouillait. Ça, c'est pas grave. C'est la peau de cette garce que je veux. Qu'elle ne s'en relève jamais, c'est ça ce que je veux. Ce ballet était vraiment fabuleux. Oui, formidable. Je commence à avoir faim, moi. Excusez-moi, mon téléphone sonne. Ah. Je crois que le restaurant est réservé, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai déjà réservé une table. Ah, c'est formidable. C'est loin d'ici? Oui, j'écoute. Non, non, pas du tout, c'est pas ça. Comment? Il faut prendre à droite. Où êtes-vous? Ensuite, il faut descendre toute la rue jusqu'au croisement. Oui, oui, d'accord. Je vous rejoins tout de suite. Excusez-moi. J'arrive. Il y a un problème? Il va falloir que je vous laisse. Va avec les Melbeck, je vous rejoindrai. Oui, très bien, mais ne tarde pas trop. Je me dépêche. Puisque je vous dis que ce n'est pas moi, je suis innocent, commissaire. Malheureusement, les faits parlent d'eux-mêmes, monsieur Gartz. Il vaudrait mieux que vous passiez aux aveux. Vous nous faciliteriez les choses. Non, vous n'avez rien non. à avouer, monsieur Gartz. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis l'avocat de monsieur. Bonsoir. Son avocat, vous dites. Il va en avoir bien besoin. Votre client vient juste de poignarder une femme, une certaine Bettina Rashke, qui demeurait au 14A chemin de Grenembourg à Francfort. Attendez, attendez. Pourrais-je avoir un peu plus de détails? Absolument, maître. La victime a téléphoné à la police vers 21h30 pour signaler que quelqu'un s'était introduit chez elle et qu'elle avait peur pour sa vie. Une patrouille s'est donc rendue sur place. N'obtenant pas de réponse, ils ont forcé la porte et ils ont trouvé M. Gartz près du corps de Mme Bettina Rashke, mortellement blessée. Bien. J'aimerais avoir la possibilité de parler seul à seul avec mon client, s'il vous plaît. Dans la pièce à côté. Venez avec moi. On vient d'avoir les photos. Elles arrivent du labo. Cette fois, c'est différent. Ça ne va pas pouvoir s'arranger par une simple lettre envoyée à votre patron. Maintenant, racontez-moi ce qui s'est passé. On m'a tendu un piège. C'est pas moi qui l'ai tué. Et qui vous a tendu un piège? J'en sais rien. Quand je suis arrivé à l'appartement, elle était déjà morte. Attendez, si vous voulez bien, nous allons reprendre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, qu'alliez-vous faire chez Bettina Rashke? C'est elle qui m'avait appelé.
C'est elle qui avait provoqué mon licenciement, mais elle voulait arranger ça. Elle voulait me voir immédiatement. Elle vous appelle et vous allez tout de suite chez elle. Oui, bien sûr. Sur le coup, je voulais pas. Mais elle a tellement insisté, et puis j'avais un petit peu bu. Elle m'a convaincu, j'ai pris un taxi. Ça s'est passé à quel moment? Elle m'a appelé vers les 9h. Et quand êtes-vous arrivé chez elle? 9h30. Allez-y, ensuite. Eh bien, j'ai sonné à l'interphone à l'entrée. Et il y avait une caméra de vidéosurveillance, alors j'ai fait un petit coucou pour rire. La porte d'entrée s'est ouverte. Je suis alors monté jusqu'à son appartement, mais j'ai trouvé la porte entrouverte, alors je suis entré. C'était horrible. Et il y avait tout ce sang. C'était elle. Elle était étendue morte. Et j'ai entendu la porte se fermer. Je pouvais plus sortir, elle était fermée à clé. Oui. Et après? Et après, je voulais sortir, bien sûr. Alors, je suis allé à la fenêtre. Mais on était au 3e, alors j'ai cherché partout où je pouvais trouver des clés. Finalement, j'en ai trouvé une dans son sac. J'allais partir quand on a sonné. Et alors, vous n'avez pas ouvert? Non, mettez-vous à ma place, j'ai paniqué, je savais plus où j'en étais. Il y a eu un grand boom. Tout à coup, il y avait 4 flics dans la pièce. Oui, je vois. Nous avons un sérieux problème. Un problème? D'abord, on me colle sur le dos l'échec de la présentation et maintenant ce meurtre. Vous ne me croyez pas? Écoutez, je suis votre avocat et pour l'instant, mon devoir est de vous aider. Comprenez? Je vais te dire ce qui s'est passé. Gartz s'est envoyé plusieurs cognacs. Il s'est rendu chez cette femme pour la menacer. Elle appelle la police. Il panique et il la tue. C'est aussi simple que ça. Oui, oui, c'est aussi la version de la police, mais elle est totalement fausse. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il est possible que quelqu'un connaissant mon client ait tué Bettina Rajke. Et qu'au même moment, mon client ait sonné par hasard chez elle. Et que le meurtrier ait exploité la situation. Non, 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 c'est complètement absurde. Le meurtrier n'aurait pas ouvert la porte après avoir tué cette femme. Il y a un système de vidéosurveillance à l'entrée, alors il a très bien reconnu Gartz. Et comment l'a-t-il enfermé ensuite? Eh bien, avec un double des clés, bien sûr. Dans ce cas, le meurtrier connaissait aussi la victime. Comme Zontime, par exemple. Il avait une liaison avec elle, non? Ah. Madame Hoffman? Oui, monsieur. Pourquoi ne m'avez-vous pas réservé de place près du couloir? Vous savez que je déteste être assis au milieu du rang. Tout simplement parce que le vol était complet. Lorsqu'on réserve une place d'avion la veille d'un départ, il est difficile d'obtenir ce qu'on veut. J'ai pris ce qui était disponible. Vous avez appelé l'hôtel. J'espère que ma chambre ne donne pas sur la rue comme la dernière fois. C'est fait, monsieur Zontime, c'est fait. Demandez quand même confirmation. Bonjour, monsieur. Voici maître Franck, il désirerait vous parler. Je suis l'avocat de monsieur Gartz. J'ai téléphoné. Comment ça? J'étais pas au courant. Vous ne m'avez pas prévenu. Comme si je n'avais déjà pas assez d'ennuis avec Gartz. Je suis désolé, monsieur. Vous étiez en rendez-vous à l'extérieur. Oui, bon, ben, ça va. Bon, eh bien, puisque vous êtes là, monsieur. Maître Rainer Franck. Je vous en prie. Merci pour le café. Je ne veux pas être dérangé. Ni. Asseyez-vous. Vous défendez donc monsieur Gartz. Et vous menez votre enquête. Est-ce que c'est conforme au statut d'avocat? Absolument, c'est mon travail. Il ne s'agit pas de savoir ce qui est conforme ou pas, il s'agit de savoir la vérité dans cette affaire, et j'estime que monsieur Gartz a été victime d'un coup monté. Ah oui, bien sûr. Un coup monté. Vous pensez que quelqu'un lui aurait fait endosser le coup des maquettes de présentation et maintenant le meurtre de Bettina? Pourtant, je lis dans la presse qu'il a été arrêté sur les lieux du crime. C'est exact, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit le meurtrier, vous ne croyez pas? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous connaissiez très bien Bettina Rajke, n'est-ce pas?
Si vous voulez insinuer que nous avions une liaison, c'était fini. Ce sont des choses qui arrivent. Mais Bettina était une collaboratrice de grande classe. C'est curieux, mais mon client n'est pas de votre avis. Évidemment, il ne va pas vous dire le contraire. Il ne valait plus rien et Bettina le surpassait de loin. Si Gartz n'avait pas participé à la création de l'agence, il y a longtemps que je l'aurais viré. Et Bettina serait en vie. Si vous êtes tellement convaincu de la culpabilité de M. Gartz, peut-être savez-vous si Mme Rajke avait des ennemis dans l'agence. Il est évident que dans notre travail, nous nous faisons toujours des ennemis, mais pas au point de nous entretuer. Monsieur Zontheim, pourrais-je vous demander ce que vous faisiez le soir où Mme Rajke a été assassinée? Vous pouvez le demander, mais n'attendez pas que je vous réponde. Je n'ai que faire de vos soupçons. J'ai un conseil à vous donner. Plaider l'irresponsabilité pour votre client, c'est malheureusement la simple vérité. Bien. Je vous prie de m'excuser. Oh, rassurez-vous, je ne vous soupçonne absolument pas. C'était une simple question de routine. Eh bien, justement, la routine m'attend, Monsieur Franck. J'ai de nombreux rendez-vous aujourd'hui, alors si vous voulez bien me laisser. Très bien, Monsieur Zontheim, je vous laisse. Nous reparlerons du licenciement abusif de Monsieur Gartz et de ses indemnités une autre fois. C'est de cette façon qu'il compte régler vos honoraires? Vous me plaisez beaucoup, maître. Vraiment. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps, Madame l'honneur. Justement, j'ai très peu de temps. Un jus de pomme, s'il vous plaît. Je dois vous avouer que je ne vois pas très bien en quoi je pourrais vous aider, monsieur. Lorsque Paul m'a demandé ce rendez-vous, il n'y avait pas encore eu de meurtre. Vous croyez que monsieur Paul Gartz est coupable? Non, je n'arrive pas à le croire. Mais d'un autre côté, Bettina lui en a tellement fait voir. Madame Rajke? Oui, je sais qu'il ne faut pas dire du mal de quelqu'un qui est mort, mais c'était une peste. En fait, je crois que personne ne l'aimait vraiment. 10 jours, elle a été nommée CD, elle a fait virer 3 ou 4 rédacteurs juniors. L'un d'eux a d'ailleurs eu beaucoup de mal pour trouver notre agence. Elle s'était arrangée pour le griller dans la profession. Vous croyez qu'elle aurait pu être capable d'intervertir elle-même les cartons de la présentation? Je n'ai pas d'avis là-dessus. Le jus de pomme. Merci. Et pourtant, je ne crois pas non plus que ce soit Paul qui ait touché au matériel de présentation. Paul est quelqu'un de très créatif lorsqu'il est en forme. Il aurait fait quelque chose de beaucoup plus drôle que des planches toutes noires. Qu'entendez-vous lorsque vous dites « lorsqu'il est en forme » Vous voulez dire qu'il a souvent la panne de l'écrivain? La panne de l'écrivain? C'est comme ça qu'il dit? Oui, et vous, comment vous le dites? Moi, j'appellerais ça l'alcool ou la cocaïne. Ah oui. N'interprétez pas mal ce que je viens de vous dire, parce que j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler avec Paul, mais il était très sensible et il ne supportait pas bien cette pression constante, cette demande continuelle. Et Bettina en a profité. Que voulez-vous dire? Elle faisait tout pour le démolir auprès de Zontheim. Rolf, je ne crois pas que ça pourra durer encore longtemps comme ça avec Gartz. Il ne fait plus rien de bien. Il faut absolument que vous interveniez. À ce point. Oui, à ce point. Ils s'appelaient toujours par leur prénom, mais ils se vouvoyaient. Qu'en pensez-vous, Rolf? C'est une idée formidable, Bettina. Continuez. Alors que tout le monde savait parfaitement qu'ils couchaient ensemble. C'est bien vous qui avez fait les cartons? Les maquettes. Oui, celles qui ont été échangées. La veille au soir, nous les avons montrées à Zontheim une dernière fois, puis nous les avons mises dans le cercueil. Le cercueil? C'est comme ça que s'appelle le carton à dessin où on range les maquettes. Et ensuite, vous n'avez plus touché à ces maquettes? Non, j'ai laissé le carton à dessin dans la salle de conférence. Et où était Monsieur Gartz? Chez lui, je suppose. Il était en arrêt maladie. À quelle heure avez-vous quitté l'agence? Vers environ 22 heures, je crois. Il y avait encore quelqu'un dans les bureaux? Non, j'ai encore vérifié une toute dernière fois que tout était complet et j'ai éteint les lumières et je suis sortie. Non, il n'y avait plus personne. Qui d'autre que vous a une clé de l'agence? Monsieur Zontheim, Bettina Rajke, Michel Berger, le directeur média, Paul Gartz et la femme de ménage, bien sûr. Oui, allô? Quoi? Mais quel imbécile, je lui avais pourtant dit qu'il fallait retirer du rouge, qu'est-ce qu'il lui prend? Il faut qu'il dilue à 10% comme je lui ai demandé. Oui, j'arrive. Un problème? Non, ça va. C'est pratique ces téléphones. T'as vraiment en acheté un? Une dernière question. Vous m'avez dit que vous appréciez Gartz.
Et quand vous avez retrouvé les maquettes dans son armoire, pourquoi vous ne lui en avez pas parlé d'abord? Parce que Bettina était juste derrière moi et elle les avait vues elle aussi. C'est curieux. Gartz a affirmé que Rashke lui aurait avoué au téléphone que c'était elle qui avait échangé les maquettes. Quoi? Elle serait allée lui raconter ça? Alors... Alors, dans un accès de colère, il aurait été capable de la tuer. Vous ne croyez pas? Non. Non, je ne peux pas croire une chose pareille. Excuse-moi, Rainer, mais c'est sûrement Gartz. Ce type est fini et il le sait. J'en ai même eu la confirmation par sa directrice artistique. Elle m'a dit qu'il abusait de l'alcool et de la cocaïne. Non. Et puis il est le seul de l'agence à avoir un mobile. Soit c'est lui qui a échangé les maquettes en revenant la nuit dans l'agence, et alors la suite, on la connaît. Soit c'était bien Bettina Rashke. Et dans les deux cas, il avait de bonnes raisons de perdre les pédales et de la tuer. Vous avez encore besoin de moi, maître? Non, non, Helga, vous pouvez y aller. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Bon, je pense que t'as plus besoin de moi non plus. Si. Je suis sûr qu'il est innocent. Pourquoi est-ce que Zontime refuse de me dire où il était à l'heure du crime? Pourquoi est-ce que la mort de Bettina Rashke ne suscite chez lui que quelques formules creuses? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et si tu essayais de parler à sa secrétaire, je crois qu'elle ne le porte pas particulièrement dans son cœur. Bon, mais c'est la dernière fois. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais voir quelqu'un qui, comme toi, me dit toujours que c'est la dernière fois. Vous avez l'air en forme, monsieur Yannick. C'est votre dernier mariage qui vous réussit comme ça? Vous en êtes au combien? Au troisième? Au quatrième? Ah, c'est simple, vous n'avez qu'à vérifier dans vos livres de comptes. Vous êtes occupé de tous mes divorces. Et à chaque fois, vos honoraires étaient plus douloureux que la séparation avec mes épouses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est moi qui vous invite. Vous avez sûrement une arrière-pensée. À moins que vous n'appréciez réellement ma compagnie. Les deux, monsieur Yannick, les deux. Dites-moi, vous connaissez bien le milieu de la publicité? Oui, je dois dire que je le connais assez bien. Je suis plutôt branché, comme on dit. Est-ce que le nom de Zontime vous évoque quelque chose? Zontime, oui, l'agence SBSA. Je vois, je parie que vous défendez Paul Gartz, c'est ça? Excellente déduction. Je lis les journaux, tout simplement. Ah, fantastico! Vous n'allez pas regretter ce que vous avez commandé. Oubliez les éternels restaurants italiens ou chinois sans intérêt, c'est le grand retour de la cuisine authentique. Bon appétit! À vous aussi. Quel genre de personnage est Zontime? C'est un type pas très sympathique. Il est même assez odieux. Ça fait 10 ans qu'il a monté son agence avec Bartel, Zeitz et Arndt. D'où le sigle SBSA. Oui, c'était vrai au début. Mais depuis, Zeitz est mort dans un accident d'auto. Et les deux autres ont été évincés par Zontime, je ne sais pas de quelle façon. Alors depuis, le sigle SBSA a pris une autre signification. Ça voudrait plutôt dire Zontime Blues ses associés. Et puis il paraît aussi qu'il a un canapé destiné aux jeunes femmes avides de promotion rapide. Dépêchez-vous de manger, ça va refroidir. Vous pensez que Bettina Rashke est passée sur ce fameux canapé? C'est bien possible. Avant de commencer chez SBSA, elle a fait plusieurs boîtes en tant que rédactrice junior. Rien de grandiose. Mais avec Zontime, elle est montée en flèche. Elle a même reçu une médaille d'or décernée par le club des directeurs de création pour l'une de ses campagnes. Mais la vérité, c'est que c'était certainement Gartz qui avait fait le boulot. Mais que savez-vous d'autre au sujet de Zontime, en dehors de son fameux canapé? Eh bien, je vous ai dit que Zeitz avait eu un accident d'auto. Ça s'est passé au Maroc. Et devinez qui était sur le siège du passager. Zontime? Exact. Évidemment, il n'était absolument pas responsable. Sa présence était un pur hasard. Maintenant, vos saucisses doivent être froides. Oui. Oui, secrétariat de M. Zontime, bonjour. Madame Hoffman, bonjour. Je m'appelle Matula, je suis directeur de création. Enfin, je veux dire, d'essai. J'ai une agence ici, à Francfort. Et je voudrais m'entretenir avec vous. Je cherche une nouvelle collaboratrice. Oui, vous m'avez dit que vous vous appeliez comment, déjà? Je m'appelle Matula. Pourrions-nous nous rencontrer quelque part? J'ai une proposition intéressante à vous faire. Oui, c'est possible, mais je préférerais vous voir, disons, dans une demi-heure. Devant l'agence, d'accord? Ouais, ça me convient, c'est parfait. Naturellement, je comprends tout à fait qu'on soupçonne mon client, mais d'après les résultats de l'autopsie, Bettina Rashke pouvait être déjà morte lorsque mon client est arrivé chez elle.
Le parquet sait parfaitement que l'autopsie peut indiquer le moment du décès très précisément, pratiquement à la minute près. Ce n'est pas la peine d'en faire la remarque à monsieur le juge. En revanche, ce que vous ignorez sans doute, c'est que l'arme du crime appartient à monsieur Gartz. Et qu'elle porte ses empreintes. Et que celles-ci sont disposées comme lorsqu'on veut porter un coup du haut vers le bas. Cette fois-ci, l'idée de monsieur Gartz devait être plus pénétrante que celle que mentionne l'inscription. Est-ce bien votre poignard ? Oui, un cadeau de l'agence. C'est normal qu'il y ait mes empreintes dessus, je me suis souvent amusé avec. Mais on me l'avait volé. Et quand vous en êtes-vous rendu compte ? Dernièrement. Quand il a fallu que je vide mon bureau, je ne l'ai pas retrouvé. Et vous nous le dites que maintenant, monsieur Gartz ? Ça me paraît évident. Je n'y tenais pas particulièrement. Comme je vous l'ai dit, c'est un cadeau de l'agence. Je crois que ça me suffit. Je requiers la détention. Madame Moffman ? Oui ? On pourrait aller discuter autour d'un café ? Désolée, mais je n'ai pas assez de temps. Mais au fait, vous êtes directeur de création dans quelle agence ? Eh bien... Oui, je vois. Si vous êtes directeur de création, moi je suis la reine d'Angleterre. Bon, très bien, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez ? Je suis détective privé. Je travaille pour l'avocat de monsieur Paul Gartz. Oui, j'espère que vous vous y prenez plus adroitement d'habitude. Bon, écoutez, il y a un petit parc de ce côté. Si vous voulez, on pourrait marcher jusque-là. Bettina Rajka faisait des crasses à ce pauvre Paul, chaque fois qu'elle le pouvait. Elle lui donnait de fausses informations, ou alors elle lui dissimulait des informations importantes, elle lui cachait des rendez-vous, puis d'autres choses. C'est Gartz qui vous l'a dit ? Oui, mais je ne suis pas la seule à le savoir. Vous cherchez un mobile qui aurait pu le faire agir sous l'emprise de la colère, c'est ça ? Tiens donc, qu'est-ce qui vous fait croire ça ? J'ai lu dans le journal certains petits détails, mais Paul n'est sûrement pas un tueur de sang-froid. C'est elle qui a dû le pousser à bout, sûrement. Gartz, vous l'aimez bien ? C'est un type très chouette, il ne ment pratiquement jamais. C'est un homme franc. Beaucoup n'aiment pas ça dans l'agence, ils sont tous en représentation, bisous par-ci, ma chérie par-là. Paul, lui, est différent. Vous allez pouvoir l'aider ? En tout cas, je suis en train d'essayer. Pourquoi Zontime a laissé tomber Gartz ? Il a pourtant participé à la création de l'agence. C'est Bettina Rajka qui ne voulait plus de lui. Moi aussi, je pense bientôt partir. Pourquoi ? Oh, pour diverses raisons. Vous avez une secrétaire ? Une secrétaire ? Pour le peu de paperasse que j'ai, ben, je me débrouille tout seul. C'est un point de vue. C'est comme ça que Zontime voit mon travail. Oh, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, vous comprenez. Moi, j'ai très peu de clients, j'ai pratiquement pas de facture à faire. Et pour ce qui est du téléphone, ben, j'ai un répondeur pour prendre des messages. Zontime est du genre à en faire tout un plat quand quelque chose ne tourne pas rond. Mais quand tout fonctionne impeccablement, il n'a pas un mot de remerciement. C'est sa mentalité de star de la pub, moi, qui m'énerve. J'ai plus envie de serrer les dents. Surtout que maintenant, on est payé avec un lance-pierre, là. Ah ouais ? L'agence aurait des problèmes financiers ? Je sais pas, mais il y a quelque chose dans l'air. En tout cas, Zontime va presque tous les mois au Luxembourg. Et alors ? Au Luxembourg, on peut faire de bons placements. À mon avis, il doit détourner régulièrement de l'argent de la société, mais là, je crois qu'il commence vraiment à exagérer. Depuis quelque temps, on reçoit régulièrement des relances. Et chaque fois que je lui en montre une, il me l'arrache littéralement des mains. Et qu'est-ce qu'il en fait, Sir Lance ? Il dit qu'il les confie à son conseiller financier, un certain maître Fritsch. Un type qui roule toujours en Ferrari. Et ses allers-retours au Luxembourg ? Il préfère les faire seul ou il y va accompagné de maître Fritsch ? Vous êtes peut-être au courant de sa liaison avec Bettina Rajka. Il y allait parfois avec elle. Je me souviens d'une fois, ils se sont disputés à ce sujet. C'est intéressant. Écoutez, je ne sais pas vraiment pourquoi je vous raconte tout ça. Tout ça pourrait aider Paul Gartz. Bon, très bien. J'ai entendu il y a quelque temps Bettina Rajka hurler dans le bureau de Zontime. Elle le menaçait de révéler ses magouilles. Elle ne voulait plus avoir affaire avec ce trafic qu'il faisait au Luxembourg. Enfin, c'est en gros ce qu'elle a dit. Et c'était quand ? C'était quand ? Je ne me rappelle plus le jour exact. C'était il y a une quinzaine de jours. Merci. Merci beaucoup. Vous m'avez été très utile. Et pour ce qui est de la discrétion, vous pouvez compter sur moi. Je ne parle jamais. Parfait. Dommage que je n'ai pas besoin d'une secrétaire. Mais je cherche désespérément quelqu'un pour m'accompagner au restaurant. Ah, je préfère ça, je ne vous le cache pas. Bon, admettons que Bettina Rajka ait fait chanter Zontime avec cette histoire du Luxembourg. Zontime la persuade de faire venir Paul Gartz chez elle et là, il la tue. Ouais. Ouais, alors comment expliques-tu son appel à la police ?
Peut-être qu'elle a soupçonné quelque chose et qu'elle a réussi à appeler. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est que Zantine place de l'argent au Luxembourg. Et pourtant, il a des problèmes d'échéance. Tu n'as qu'à en discuter avec son conseiller financier, un certain maître Fritsch. Fritsch? Mmh. Il a une Ferrari, Fritsch. Il se débrouille mieux que toi. Ce type a été condamné parce qu'il fraudait avec les impôts. Je vois, ça doit faire un ou deux ans qu'il a été relâché. C'est pas croyable. Helga, apportez-moi le dossier Steinfeld, s'il vous plaît. Ses clients, à l'époque, ont été obligés de déduire beaucoup plus qu'ils en avaient envie. Laisse-moi te dire qu'ils n'ont pas revu leur argent. C'est ce qui arrive lorsqu'on court plusieurs lièvres à la fois. Voilà. Merci, Helga. Fritsche avait soulagé mon client de 2 millions. J'aurais tendance à dire que Zantine ferait mieux de surveiller son argent. À moins qu'ils magouillent ensemble. J'ai cherché votre numéro dans l'annuaire et je me suis rendu compte que vous habitiez tout près de chez moi. Ah oui, je sais, c'est pas très chic ici. Hein. Par contre, le loyer, lui, il est très chic. Alors, si vous connaissez un appart à louer... Non, c'est très charmant chez vous. Il paraît que vous avez parlé à Renate. Et qui est Renate? Renate Hoffmann, la secrétaire de Zantine. C'est elle qui me l'a dit. De quoi avez-vous parlé? Oh, elle ne vous l'a pas dit. Pourquoi voulez-vous le savoir? Parce que je ne veux pas qu'elle aille rapporter n'importe quoi sur Paul. Je n'étais pas n'importe quoi, bien au contraire. Alors elle vous a parlé des menaces de mort? Croyez-moi, il ne pensait pas ce qu'il disait. Il a dit ça parce qu'il était furieux. Comment ça? Quelle menace de mort? Eh bien... C'était 3 jours avant la présentation. Paul a eu une terrible dispute avec Bettina. J'étais présente et Renate Hoffmann aussi. Il lui fallait la signature de Raschke de toute urgence. En tout cas, le ton a monté, il lui a dit « Si tu oses encore me parler comme ça, je te tue. » Et ensuite, il est rentré chez lui et il s'est fait porter malade. Je croyais que Renate vous l'avait dit. Non. J'ai eu l'impression, au contraire, qu'elle aimait bien Paul Gartz. Elle trouvait sans doute inutile de lui faire du tort. Ça aurait été superflu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et c'est pour cela que j'ai préféré que les choses soient claires. Madame Lohner, puisque vous êtes là... Savez-vous par hasard où était Monsieur Zantine le soir où Bettina Raschke a été assassinée? Monsieur Zantine? Non. Et vous, vous étiez où? Quoi? Vous voulez savoir si j'ai un alibi? J'étais au cinéma, pourquoi? Vous étiez accompagnée? Non! Non, mais dites donc, je croyais que vous travailliez pour l'avocat de Paul Gartz. Je viens vous voir pour l'aider et vous me demandez si j'ai un alibi? Non, mais c'est incroyable! Madame Lohner, ne prenez pas mal! Ah, fichez-moi la paix! Génial! T'as vu un peu le tableau de bord? Hé, hey, elle monte jusqu'à 300! Bière, s'il vous plaît. Oh, ben voilà qui me fait plaisir. J'ai cru que j'allais servir que de l'eau aujourd'hui. Eh oui, les temps sont durs. Les gens font plus attention à leur santé.
Votre bière. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Nous sommes en ce moment dans la rue Kamberger. Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous me suivez? Et qui vous dit que c'est vous que j'étais en train de suivre? C'était peut-être Maître Fritsch. C'est bien votre Ferrari, Fritsch. Ne soyez pas si agressif. Ce n'était qu'une simple question. N'est-ce pas? Et attendez, attendez. Encore une fois, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous me voulez? Vous avez une chouette bagnole. Je me demandais ce qu'il fallait faire pour pouvoir s'en offrir une comme la vôtre. Nous avons affaire à un rigolo. Mais apparemment, nous n'avons pas le même sens de l'humour, monsieur. Et apparemment. Allez-y. Bon, ça vous suffit? Alors, qui êtes-vous? Le grand-duc du Luxembourg, ça se voit. Je ne saisis pas bien l'allusion. Oh si, vous m'avez très bien compris. Je suis désolé, mais je ne comprends rien. Fouillez-le. Hey, touchez pas, c'est ma carte d'étudiant. Un détective privé? Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous suit depuis quand? Aucune idée. Oh. On se téléphone. Oui, j'écoute. C'est moi. Ah bah allez, chouette ta mission. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh rien. Ils se sont seulement rendus compte que je les suivais, ça leur a pas plu, mais ils m'ont décoré. Ils ont vu aussi ma licence de détective. Maintenant ils savent qui je suis. Je crois que j'ai une bonne idée pour les rendre encore plus nerveux. Qu'est-ce que tu dis? Encore une de tes bonnes idées? Rentre chez toi, je t'y rejoins. À tout de suite. Bonsoir, monsieur Zentime. Qu'est-ce que vous voulez? Sauver votre argent. Pardon? Je vous expliquerai mieux à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire par sauver mon argent? Il est vrai que je représente les intérêts de monsieur Gartz, mais étant donné les circonstances, je crois qu'il est de mon devoir de vous prévenir. Me prévenir? Oui. Mais me prévenir de quoi? Serait-ce une menace? Non, non, bien sûr que non. Seulement, j'ai appris que maître Bernard Fritsch était votre conseiller financier. Et alors? En quoi cela vous regarde-t-il? Vous connaissez maître Fritsch depuis longtemps? Où voulez-vous en venir? Je n'ai pas de temps à perdre. Êtes-vous au courant que maître Fritsch avait été condamné pour escroquerie et fraude fiscale? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle de détournement de l'argent de ses clients, monsieur Zentime.
J'ai fait connaissance avec Maître Fritsche à l'occasion d'un procès. Maître Fritsche a bien été condamné, mais mon client n'a jamais revu son argent. Est-ce qu'il vous aurait déjà fait miroiter des déductions fiscales fabuleuses ? Comment savez-vous que ce monsieur travaille pour moi ? Oh, cela n'a aucune importance. Mais peut-être que ce monsieur est redevenu honnête. Il paraît que cela arrive, mais en tout cas, je vous aurais prévenu. Bien sûr, cela reste entre nous. Oui, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous remercie. Vous attendez sans doute quelque chose en échange ? Pas du tout. Maintenant que Garth a commis un meurtre, je peux difficilement le reprendre. Je ne crois pas que ce soit lui le coupable. Et qui est-ce alors ? Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'ai affaire. Bien sûr. Ah, je vous ferai signe. Oui, il se pourrait que j'ai bientôt besoin d'un bon avocat. Oui, oui. Effectivement, c'est fort possible. Oui, allô ? Renate Hoffman à l'appareil. Il s'est passé quelque chose de nouveau, monsieur Matula. Cet après-midi, Zontime nous a tous convoqués pour nous dire que l'agence était au bord de la faillite. Until Honor, il faut que je vous parle, monsieur Matula. Demain, 10h au café où on s'est déjà vu la première fois. Désolée pour hier, je me suis emportée. C'est important, je compte sur vous. Ça m'est égal que ce soit difficile. Il faut que ce soit réglé demain matin. Je compte sur vous, Fritsche. Non, il n'y a pas de temps à perdre. Zontime a évidemment faim la surprise la plus totale, mais je suis persuadé qu'ils vont réagir. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Tu y retournes demain et tu le suis. En tâchant de ne pas te faire voir cette fois-ci. Tu sauras faire, ça ? Non, non. Tu feras ça bravement toi-même. J'ai pas d'autres côtelettes. Et de toute façon, demain, j'ai un rendez-vous. Bonjour, excusez-moi, mais j'ai été retenue. Oh, c'est pas grave, ça fait rien. Je vous en prie. Oui, merci. Qu'est-ce que vous aviez à me dire ? Pourquoi ne pas avoir laissé de message sur mon répondeur ? Répondeur, ce n'est pas... Je préférais venir vous le dire de vive voix. À vrai dire, en ce moment, j'entends mieux que je ne vois. Alors allez-y, je vous écoute. Voilà. Le soir où Bettina Rajke a été assassinée, elle avait un rendez-vous. Ah oui. Je l'ai appris par hasard. Elle était au téléphone lorsque je suis rentrée dans son bureau. Et elle a dit à ce soir Rolf. Rolf ? Rolf Zontime. Vous me racontez encore des histoires. La dernière fois, vous m'aviez dit que vous ne saviez pas où il était ce soir-là. Ouais, pas mes pères, on s'entend plus ici. J'ai commis une erreur, mais... Enfin, il n'y a personne pour prendre les commandes. Pourquoi vous me le dites que maintenant ? C'est-à-dire que Paul a été retrouvé sur les lieux du crime, alors j'étais convaincue que c'était lui le coupable. Et d'ailleurs, il avait des raisons pour vouloir sa mort. Et si je vous avais parlé, j'aurais... Vous auriez eu des problèmes avec Zontime. Et votre carrière compte plus que tout pour vous. Oui, allô ? Mais pourquoi ce changement de dernière minute ? Quoi, maintenant ? Mais on avait dit que... Bon, d'accord, j'arrive. Je suis désolée, mais il faut que je retourne tout de suite à l'agence. Je vous téléphonerai. Ouais, ouais. Vous avez oublié ça ? Ah, merci. Il faudra que nous reprenions très vite cette conversation, Madame Lohner. Oui, oui, c'est ça, je vous rappellerai. Bon, maintenant, il faut que je m'en aille. Et où est-ce qu'elle va ? C'est pas le chemin de l'agence, là. Thank you.
comme ça sur mon téléphone personnel. Tu as envie qu'on se fasse prendre, c'est ça? Au pepperoni et à la neige. 420 marques, comme d'habitude. Salut, Rainer. Ah, tu arrives à point. J'ai eu un coup de fil sympathique ce matin avec un vieil ami qui est inspecteur des impôts. Oh, c'est bien d'avoir des amis comme ça. Eisenheim, tu ne devais pas avoir l'œil sur lui? Non, ce n'est plus la peine. Ça fait 2 heures qu'il est à l'inspection des impôts où il répond à des questions délicates. Bravo, cher collègue. Dis donc. Eh ? Combien ça coûte une pizza livrée à domicile, à ton avis ? Hein ? Aucune idée. 10 marques. Ça n'a jamais coûté 420 marques. Alors, tu te fiches de moi, là ? Pourquoi cette question ? J'ai discuté tout à l'heure avec la belle Loner. Et tout à coup, il a fallu qu'elle parte précipitamment à l'agence, mais elle n'en a pas pris le chemin. Au lieu de ça, elle a été retrouvée un livreur de pizza. De pizza ? Et j'ai reconnu ce livreur. Bien. Et alors? Quand je suis allé chez Gartz, c'était le même livreur qui venait de lui apporter une pizza. Sensationnel. Et cette fois, tu t'en es commandé une? Non. Il ne livre que des pizzas à la cocaïne. Gartz était l'un de ses clients réguliers, et je me demande ce que l'honorable et vertueuse Antje Lohner vient faire dans cette histoire. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Je comprends rien. Oui, c'est vrai, il m'est arrivé de sniffer de la coke, mais quel rapport avec le meurtre? Monsieur Gartz, je ne suis pas là pour vous faire des reproches. Il faut seulement que je sache qui vous fournissait la cocaïne. C'est très important pour l'enquête. Il faut que vous collaboriez. Comment s'appelle ce livreur de pizza? Vous êtes au courant? Alors c'est vrai. Oui. C'est un moyen rudement pratique pour se fournir discrètement. Il suffit d'appeler, c'est mieux que de trouver un dealer dans la rue. Il pouvait même passer directement à l'agence. Personne ne remarquait rien. Ça passait complètement inaperçu. Est-ce qu'il livre également Antje Lohner? Quoi, Antje? Puis quoi encore? Elle ne voudrait jamais risquer de perdre le contrôle d'elle-même. Est-ce qu'il livrait quelqu'un d'autre dans vos relations? Non. Si. Raschke. J'ai eu le malheur de lui refiler le tuyau quand on s'entendait encore bien. Après, c'est devenu une espèce de garce. Revenons à Antje Lohner. A-t-elle eu une liaison avec Sondheim? Attendez, dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez au juste? Antje n'a qu'une seule véritable raison d'être, c'est son travail, c'est tout. Bon, d'accord, elle aurait tendance à idéaliser Sondheim, mais ça va pas plus loin. Bien, donnez-moi le nom de ce dealer et dites-moi comment je peux le joindre. C'est nécessaire? Oui, allô? Pourrais-je parler à Monsieur Berthold? Il est malade? Il est en arrêt maladie. Très bien, eh ben on va lui apporter des fleurs. Pourriez-vous m'indiquer son adresse, s'il vous plaît? C'est très important. Au 4 Waldstrasse. Merci beaucoup.
Sympathique cet immeuble, oui. Ah bah on tombe vraiment bien. Pourquoi? Comment ça? Regarde, c'est la voiture de l'honneur. Ah ouais. Eh bon, on pourra faire d'une pierre deux coups. Peut-être que ce sont eux qui avaient rendez-vous avec Rajke. Eh oui, qui sait. Comment on va faire pour rentrer? Laisse-moi faire. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est pour le gaz, madame. Oui, c'est à quel type je l'ai. Qui c'est qu'elle a? Regarde, je te présente madame l'honneur. Monsieur Berthold? Pas si vite, pourquoi vous êtes si pressé? On va pouvoir reprendre tranquillement notre conversation, d'accord? Allez, venez avec moi. Monsieur Berthold? Madame l'honneur a eu l'amabilité de venir nous voir. Vous avez quelque chose à nous raconter, madame l'honneur? Non, laissez-moi tranquille. Et puis, vous êtes qui, vous, d'abord? Mon nom est Rainer Frank, je suis l'avocat de Paul Gartz. Vous vouliez mettre ça aussi sur le dos de monsieur Gartz? Espèce de... Mais je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous me voulez? Ne racontez plus d'histoires. Bettina Rajke voulait saboter votre belle carrière, je me trompe? C'était qu'une incapable et une sale garce. Vous aussi, vous semblez prête à tout pour réussir. Ouais, ça on peut le dire. Vous êtes vraiment très créative. C'est vous qui avez changé les maquettes avant la présentation. C'est vous qui avez placé ces cartons noirs dans la boîte. Et vous avez placé les originaux dans l'armoire de Gartz pour les retrouver tout à fait par hasard le lendemain matin. Et ensuite, vous avez assisté en toute quiétude à son licenciement. De toute façon, il aurait été viré un jour ou l'autre. Ce n'était plus qu'une loque. Il est possible qu'il ait besoin d'une cure de désintoxication, mais pas d'une condamnation pour meurtre. En mettant les maquettes dans l'armoire de Gartz, vous lui avez également pris son poignard. Et avec ce poignard, vous avez rendu visite à Bettina Rajke. C'est vous qui aviez rendez-vous avec Bettina Rajke et non pas Zontime. Et ensuite, avec votre petit jouet préféré, vous avez monté ce numéro que je qualifierais de macabre. Vous délirez. Vous savez si bien imiter Bettina. En allant chez elle, vous avez appelé Gartz en déguisant habilement votre voix. Ensuite, vous avez tué cette femme et vous avez attendu Gartz. Quand il a sonné à l'interphone, vous avez déclenché l'ouverture de la porte d'entrée et vous vous êtes caché. Une fois qu'il était dans l'appartement, vous l'avez enfermé et vous avez téléphoné à la police. C'est n'importe quoi. Vous ne pouvez absolument rien prouver. Oh, mais rien de plus simple, madame l'honneur. Votre appel à la police a été enregistré. On pourra facilement prouver qu'il s'agissait bien de votre voix. Félicitations, messieurs. Je suppose que vous devez être fiers de vous maintenant. Oui, si on peut dire. Au fait, comment vous vous êtes procuré la clé de l'appartement? Ça n'a pas été le plus compliqué. Je l'ai simplement pris dans son sac à main pendant une heure ou deux et j'en ai fait faire un double. Qu'est-ce que M. Berthold avait à voir avec tout ça? Il m'a vu ce soir-là quand je sortais de chez Bettina. Il venait de lui livrer quelque chose. Vous n'avez pas eu de chance. Il vous avait déjà vu à l'agence lorsqu'il était venu livrer Gartz, c'est exact? Madame l'honneur, il vous faisait chanter. Je vous ai vu vous disputer avec lui dans la voiture l'autre jour. Au début, il voulait uniquement de l'argent, mais par la suite, cette ordure voulait aussi coucher avec moi. Puis-je utiliser votre téléphone? Ici, maître Franck, passez-moi la brigade criminelle.